are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. Reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything, yeah. Everything written about you is great. You are great. Yeah.
Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Esprit de Dieu,
ensemble, nous disons qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Qu'il connaisse pour toujours la paix auprès de toi. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Que le Christ l'accueille avec tous ceux qui nous ont précédés. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Qu'il partage maintenant le bonheur de tes amis. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Qu'il voit enfin ton visage et découvre ta joie. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Et que son souvenir nous rapproche de toi. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. Ainsi de cette fois, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. J'espère une fois. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, accorde à ton serviteur le repos éternel et que la lumière s'enflamme sur lui, qu'il repose en paix. Amen. Amen. Seigneur, accorde à ton serviteur le repos éternel et que la lumière s'enfermerait sur lui qui repose en paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Je vous remercie de vous venir nous assister pour le décès brutal de mon petit frère. C'est moi qui allais me manquer. Je croyais que c'est mon père qui allait me manquer. Mais il dit au revoir. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a permis. Mais on serait qui? Nous sommes rassemblés ici pour dire un ultime au revoir à notre cher frère ingénieur. Docteur Nguena Emile. Docteur Nguena Emile était mon petit frère et je ne savais même pas qu'un jour je peux faire le témoignage à son deuil parce que je suis son aîné de 5 ans et quand sa mère l'a accouché, il y avait deux bébés dans notre confession. Il y avait une fille en bas appelée Marceau qui est décédée, père à son âme, et lui, il était un peu plus loin de notre maison, mais j'aimais plutôt le porter. Quand il est revenu de France, travaillait à l'époque à l'Ijamaïdea. Et quand il s'est marié, l'histoire d'amour s'est intensifiée. Et à l'époque, j'habitais à Newton, à Rimport. Papa Émile venait me prendre avec sa voiture, il m'amenait à Idea, on passait les vacances et il me ramenait. Sa grande sœur a commencé à parler, à relater ses études jusqu'en terminant. Et là, elle nous dit, bon, après il est parti en France et... Mon frère l'a dit tout à l'heure, papa Émile a pris Mireille quand elle était très jeune. Et je suis aux États-Unis avec Mireille. Et Mireille réclame tout le temps qu'elle est la première fille de papa Émile. Parce qu'elle est le premier enfant que papa Émile a élevé de manière directe. Donc je vais passer la parole à la première fille de papa Émile. Vous avez
Bonsoir aux parents, à nos frères et sœurs. Si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour réclamer la première place, mais c'est pour parler d'un homme. Un homme dit, un homme, pas comme les autres. Ici à l'école catholique du jardin au moins 2. C'est là où nous on a obtenu le CEP, le CEP qu'on appelait autrefois. Le défunt papa, aussi. Le défunt papa Émile a fait du jardin au moins 2. Il a aimé le CEP. Après que nous avons reçu nos études, on s'est rendu compte que l'école était en train de tomber. Grâce à nos efforts multiples, on a réussi à réhabiliter l'école. Et papa Émile a mis le bâtiment, a tourné tout le bâtiment, a mis le bâtiment hors d'eau, comme vous voyez là-bas. Donc pour l'école, la communauté chrétienne, c'est grâce à lui. Il était le pourvoyeur pour le fonctionnement de cette école. Chaque année, les problèmes passent. Depuis qu'il est mort, l'école connaît des petits problèmes de fonctionnement parce qu'il n'est plus. Nous avons tenu, la communauté chrétienne a tenu à ce que son corps s'arrête ici pour leur témoigner leur gratitude et pour mettre un bouquet de fleurs et l'accompagner ici, faire la procession d'ici jusqu'à son domicile à pied pour témoigner que tout ce que Dieu a fait, Dieu saura comment nous remercier. Voilà, donc notre père a voulu qu'on fréquente l'école catholique. On a eu une éducation catholique et on a beaucoup gagné, beaucoup d'enfants de formation qu'on fréquente ici. Voilà pourquoi ici, la descente ici est obligatoire pour que la communauté comprenne, que les chrétiens comprennent qu'ils ont perdu un de leurs. Voilà pourquoi ils ont s'arrêté ici. À cause du problème, tu pleures. Oh,
de sa paupière puissent déposer leur gerbe de fleurs avant que nous continuions notre prière. En toi, Seigneur. La communauté de balle pour te dire merci pour tout ce que tu as fait. Va et repose en paix. Comme ça, c'est bon. En toi, Seigneur, mon espérance. En toi, Seigneur, mon espérance. En la vie, je suis perdu. Dans la vie, je suis perdu. Je suis rendu fort par ta puissance. Je suis rendu fort par ta puissance. Je rends mon enfant et ma détresse. Je rends mon enfant et mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête. Sois mon rocher dans la tempête. Essayez de nous rassurer que nos téléphones portables sont sur silence. Seigneur, sois avec vous. Et avec votre esprit. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. À la terre d'un ciel nouveau. Baisse le flash. Yeah.
Par laquelle nous à Dieu. Prenons nos dispositions
et dans la prière, en éteignant nos téléphones ou bien en les mettant sur vibreur. Assise pour cette phase qui ne va pas durer très longtemps. Il sera pas long. Notre père, notre pour Émile, et aussi prions pour nous-mêmes parce que de nombreux problèmes nous torturent et à une occasion, mais le Seigneur nous agit. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, est bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, est bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Chères familles, chers amis, le chef supérieur des Bafous, Sa Majesté le Roi Kana Vitor, Palais des Reines. Qui m'est offert de lire la déclaration de la manifestation qui nous réunit ce jour. J'ai saisi cette occasion pour remercier Sa Majesté le Chef supérieur à vous. Chaque photo, levez-vous pour accueillir le chef. Leur Majesté, le chef supérieur Bafou et le chef supérieur. Excellence, Monsieur le Ministre, autorité administrative, Leur Majesté, le chef. Aujourd'hui, à triple titre, je suis pour Papa Élise, sa petite sœur. Nous sommes une fratrie de cinq et j'étais la dernière. Je ne l'ai pas fait en grandissant parce qu'ils étaient partis très tôt. Et quand il revenait pendant les vacances, j'étais étonnée de voir qu'il déposait des sacs chez ma mère. Bonjour. Monsieur Excellence, Monsieur Ministre, je vous confirme l'arrondissement de Tanding. Je vous ai dit que, à plusieurs reprises, on s'est retrouvé ici dans la cour de. Nous avons assisté à beaucoup d'enterrements en un laps de temps. Dis donc. Père, je présente à Bafou de son environnement. Père, je suis. Il sait qu'à ce moment laps de temps, nous sommes retrouvés ici à la chiffre sur la forme crue pour les situations de détresse. Vraiment, c'est une saison pas vraiment adorable pour nous parce qu'on perd de très grandes personnalités dans la République du Cameroun et qui donc se retrouvent dans cette maison, dans cette famille ici. Je voudrais y remonter juste la famille, il faut que je comprends que ce n'est pas un sort qui est légèrement réservé, c'est un sort qui donc frappe tout le monde. La vie est faite ainsi qu'ils acceptent que cette disparition précaire de nos fils
ça se fait vers eux, à eux, à ceux. On dit chez nous que ça ne laisse pas les hommes pour aller taper sur les arbres. Nous avons subi cette fois-ci, on va juste prier avec toute l'assistance qui va s'élever en commençant l'homme pour venir à cette cour. Dis à Dieu qu'il a trop, qu'il a trop fait, qu'il a trop fait avant, qu'il a trop fait avant mon cri, qu'il essaie de les épargner. Mais les peines de ah oui, père, je te confronte, il est ici, à Chine, mais non pas. Quelle est, à toi, nous, ta, ma yiri, à de nos formes, fieri, à de nos photos, photos, ma yiri, photos, j'ai un ici. Moi, je ne te prends bien, répète-toi. Ah oui, nous, 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 Anye fami e jongo api mwona a Jesus. Anke min sa mwen pou fon kre pele kre te wè pele. Men li mpe za pa wè, mpe o sinza. Mpe pozo mwen chit chan pou a. Nipo kre 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 tou di mwanda a pon chak a jip. Mwen pe la zan e toto. Pele nsege, ele gwa lou kre. Anon li mwen yu pe. Anke kre mwen pele. Mwen kre mwen kre kre. Mwen kre tou. Mpe la mwen jit kre pe. Mwen pe mwen wè. Merci à Dieu, mon âme, lui donner la parole au patriarche, parce que je suis le plus âgé et l'enfant commun que le moment. Et puis je ne peux pas, comme on m'a recommandé, ne pas être long. Et là, sa majesté, le chef supérieur, a dit que dans cette famille, il y a beaucoup de gens qui sont déjà partis. Les deux grands frères, le professeur Takomo et papa. Excellence, monsieur le ministre, délégué à la justice. Monsieur le sous-préfet, autorité administrative, Leur Majesté, les chefs supérieurs au Carrefour et Photo, Leur Majesté, les chefs de l'État, honorables membres des familles, chers invités, c'est avoir un cœur meurtri avec des yeux larmoyants et totalement désemparé, que je prends la parole ce jour crucial dans le cadre des obsèques de mon petit frère, mon deuxième cadet, Dena Émile Culbert. Je commence d'abord par vous remercier de votre disponibilité et vous remercie d'avoir abandonné vos multiples occupations, d'avoir bravé le mauvais temps pour venir nous soutenir, nous accompagner dans cette dure épreuve. Je vous remercie pour le sacrifice que vous faites pour nous. Mes remerciements vont également à la famille Fomenkri de la diaspora, à la belle famille de la diaspora, aux amis de Émile de Chambéry, aux enfants de Émile de la diaspora, et surtout à la femme Menyaï est ici présente, parce que je l'ai vue se battre pour sauver son mari. Je suis le témoin de ce qu'elle a fait. Mes chers frères et sœurs, vous avez fait fort à Chambéry. Vous avez fait du jamais vu, mais
Hélas, hélas, hélas. Pour ceux qui ont fait le déplacement de l'Europe, des États-Unis, pour ici, à cette occasion, je vous tire un coup du chapeau et je vous embrasse très, très fortement. Parlant de l'illustre disparu, mon petit frère, je vous dirai que Émile est né ici à la chefferie Fomenke. Il est le troisième enfant de Ondiken de cette chefferie. Il a grandi ici, il a joué sur cette cour qui abrite et qui accueille ses obsèques aujourd'hui. À l'âge de 5 ans, il est inscrit à l'école catholique de Balepo. À la fin du cycle primaire, il va au collège Saint-Laurent de Bafou. En fin d'année du 6e, je l'inscris, je l'amène à Bafoussam. Je l'inscris en 5e au collège Saint-Thomas, mon ancien établissement. Et à Bafoussam, tour à tour, il va vivre chez notre beau frère, David Kremega, et chez notre oncle, papa Tafar Mathieu, commandant de brigade. Et ces deux familles sont représentées. Et ces deux parents sont affectés. J'amène Émile chez mon oncle et chez mon tuteur de Baham. Donc toute la délégation est là et elle vient de déposer une gerbe de fleurs. Que cette famille de Baham qui nous a accueillis là se lève. Je l'inscris au collège Saint-Thomas de Bafoussam et pour la suite de sa biographie, je laisse le soin aux enfants de vous en parler. Je veux dire seulement qu'à partir de Saint-Thomas, Émile a pris son envol et est devenu l'ami du monde. Il a une flopée d'amis, une pléthore d'amis. Je n'ose pas les citer de peur de les oublier. Des vrais amis, des amis solides et sincères. À ces amis-là qui sont ici, je vous dis grand merci. Quant à ces œuvres, elles sont immenses et d'autres intervenants vous en parleront profondément, car tout le village pleure. Il respecte la hiérarchie de notre chefferie et respecte et encadre tous les membres de nos chefferies, Fomenke et Papa Soufre. Malgré ce tableau quelque peu reluisant, il y a eu des petits problèmes où certains ont cru que Émile et ses frères de même mère ont envahi les terrains. Voilà juste ce qu'il y a eu. Et je remercie ceux qui n'ont pas suivi le mot boycott de notre petite sœur Jota. Je continue. Maman, de ma faute. Permettez-moi de faire ce rappel. Émile était le pilier de notre famille. Madame Guéna Marthe, empêchée. Madame Régine Guéna, Ondiken Amoura vous a laissé dans sa maison. Josiane, Natou, Meni Natou et Linda, qui nous font déjà du bon travail. En attendant que Teddy, Franck et Mike et Nick est dans une certaine mesure, Kendi, qui vous apporte d'autres adjoints, vous avez l'impérieux devoir de continuer l'œuvre d'Émile à encadrer cette famille et de le conduire cette famille jusqu'à l'extrême orient, comme Papa Soufre, notre oncle, le disait. Cette famille doit rester unie.
cette famille doit rester forte, cette famille doit rester leader de cette chefferie. Vous connaissez bien le leitmotiv de Ojukem, c'était l'école. Le doctorat de Michel, que voici, le doctorat de Maïva. Le doctorat de Maïva et récemment le doctorat de Christiane vous parle. Vous n'avez pas à négliger. Ces deux doctorats vous interpellent et vous parlent. Émile est parti. Il ne reste que vous pour soutenir la famille. Je remercie tous ceux qui sont venus et je leur souhaite bon retour dans les familles. Merci beaucoup. Avant que Papa Romain ne prenne la parole, en tant que l'une des petites filles de la famille Ojukem, je tenais à vous dire que, en tant qu'aînée, et je me mets à la place de Papa, on ne peut pas rêver d'avoir un cadet, on ne peut pas rêver mieux que Papa Émile comme cadet. J'ai toute ma vie durant. Monsieur le ministre délégué chargé de la justice, autorité administrative, monsieur le sous-préfet et sa suite, autorité religieuse, autorité traditionnelle, Leur Majesté, roi des bafous et roi de photo, monsieur le directeur général d'Alucam Socatral et ses cadres, vous tous qui êtes venus ici compatir notre douleur, nous vous remercions sincèrement que tous ceux qui ont fait le déplacement, nous prions le Seigneur de les accompagner chacun chez lui après cette cérémonie. Un roman ne suffirait pas pour parler de la vie de notre frère. Je vous résume en quelques mots. Émile, tu étais non seulement mon frère, mais aussi mon ami. Émile, tu as été la lumière qui éclairait ma route. Tes performances scolaires et universitaires m'ont inspiré et inspiré beaucoup de tes petits frères. Ton passage fulgurant au lycée de Tchang a été déterminant. Je n'oublierai jamais qu'en 1977, tu eus le prix d'excellence en terminale C. Tu eus également un passage fulgurant en faculté des sciences de l'université de Yaoundé, où tu fis d'excellentes études sanctionnées par une maîtrise de physique mention bien. Tu reçus une bourse du gouvernement camerounais pour des études de mécanique. Tu finis tes études en 1985, sanctionné par un doctorat de l'ingénieur. Recruté dans le grand groupe Alucam, où tu menas une vie professionnelle sans faute. Mes anciens élèves du lycée technique de Douala, recrutés à Alucam Socatral, m'ont parlé de toi comme étant personnage réunissant, comme étant un personnage réussissant à réunir dans une même tête compétence, rigueur et humanisme. À ce titre, tu as couronné avec ta nomination comme directeur de Socatral une vie professionnelle bien remplie. Sur le plan familial, dans notre souffraterie familiale, les problèmes de chacun étaient ton problème. Tous nos enfants étaient des enfants. Tu étais profondément humain. Tu étais sensible à la douleur et au malheur des autres. Et tu n'hésitais pas à leur venir en aide, et cela sans bruit. Plusieurs fois, tu as pris en charge les opérations chirurgicales des enfants de cette famille. Et cela sans bruit. Sur le plan social, tu as été un personnage humble. Tu ne te présentais jamais comme docteur ingénieur ou comme directeur de Socatral. Émile Guéna, voilà comment tu te présentais. Quand on est venu t'informer que l'école valait pour où tu fis tes premiers pas, devait être formé car la tempête avait décoiffé la toiture, tu avais réagi énergiquement en offrant l'étole
pour refaire la toiture de l'école, et l'école ne fut pas fermée. Pour ne parler que de ce cas. Émile, nous sommes bien placés pour affirmer avec force que tu as rempli toutes tes missions et tes devoirs sur terre. Humble, tu l'as été toute ta vie. Pour paraphraser Fanon, tu as découvert ta mission sur terre et tu l'as bien remplie. Tu fais partie des grands hommes que notre terre d'Afrique a sécrétés. Adieu, papa Émile. Repose en paix. Merci. Merci. Papa Émile, repose vraiment en paix. Nous te promettons de veiller sur tes enfants. Nous demandons d'intercepter à Dieu qui nous rend dans son comportement pour que beaucoup de gens se comportent comme toi pour construire ce village. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fornoubon. Nous allons appeler mes Fornoubon du défunt papa Émile. Cher monsieur le ministre, cher chef traditionnel, chers invités, chère famille, je vous remercie sincèrement d'être venu nous soutenir pour la mort de mon petit frère, Léna Émile, que j'ai élevé comme mon enfant. Et je croyais que Émile devait m'enterrer. Depuis plus d'un mois, qu'on a pleuré mon petit frère et qu'il était malade. Il m'a vraiment mis mal à l'aise. Émile était pour moi un petit frère adoré, chéri. Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mon petit frère? Mon petit frère m'a aidé à élever mes enfants quand j'avais des soucis au Gabon. Et mon père m'avait dit, tu ne pars plus avec les enfants, tu me laisses les enfants avec ta maman. J'ai laissé mes enfants. Et j'ai entretenu mon petit frère quand il a eu son bac. Il est parti en Europe au temps de président Ahidjo, avec la bourse de l'État. Arriva en Europe, peut-être s'il a fait 2 ans, il m'a écrit que la bourse a été coupée. Qu'il devait travailler peut-être le matin ou le soir pour venir apprendre son étude. J'ai dit, mon petit frère, comme j'avais eu la chance de faire la couture et que je travaillais, j'ai dit, mon petit frère, je ne suis pas d'accord. J'ai pleuré, je lui ai dit, non, je vais t'aider. Tu vas finir tes études comme tu veux. Parce que mon petit frère a été toujours brillant. Il a été premier de sa classe depuis la maternelle jusqu'au doctorat, il était toujours premier. Et je l'ai soutenu toute ma vie. Quand mon petit frère a fini ses études en France, après le master, j'ai dit oui. Il a dit qu'on m'a recruté à l'UQAM. Je vais rentrer déjà au Cameroun. J'étais au Gabon. J'ai dit d'accord. Il est rentré au Cameroun. Dès qu'il est rentré, il ne m'a même pas dit. Il est parti au village récupérer mes enfants pour aller à l'UQAM à Deya, là où il avait été. Il n'avait même pas de domicile. Il se logeait à l'hôtel. Il a pris une chambre de l'hôtel pour mes enfants qu'il a pris avec un bon cœur. Il les a gardés jusqu'à ce qu'on leur a donné une maison de fonction. Donc, il est parti avec mes enfants. Il a toujours fait ça, élever mes enfants. Il y a Mireille, ma fille. Elle est là. Elle avait 13 ans. C'est lui qui a élevé Mireille jusqu'à lui donner en mariage. Aude aussi, et Pierre, et maître et avocat. Maître Paul était aussi son enfant. Maître Paul, s'il te plaît. Maître Paul était aussi son enfant qui l'a passé le bac chez lui. Et mon petit frère a toujours eu l'amour pour notre famille. Il a donné l'amour partout où il est passé. Et j'aimerais aussi donner cet amour. Je ne savais pas que je devais enterrer mon petit frère, mais Dieu a agi autrement. Malgré toutes mes prières que j'ai faites, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Mais Dieu a pris son enfant. Maintenant, sa femme, Maman Régine, et tous les enfants que Maman Régine a fait avec mon petit frère. Vous s'occupez de vous comme mon petit frère
s'était occupé de mes enfants. Je vous remercie, mes frères et sœurs. Je remercie tous ceux qui sont venus nous accompagner. C'est mon petit frère qui devait m'accompagner, mais Dieu fait autrement. Je remercie tous les invités. Que Dieu merci beaucoup. Amène. Merci. Simplicité, l'une des phrases importantes de Papa Émile. La vie est simple, ne la compliquez pas. Et non, sa mère, le commandant Tangomo. Spokam Ga, l'aîné de Papa Émile, a rappelé que Papa Émile avait des amis forts, sincères, solides. Et parmi ceux-ci, le commandant Tangomo, ami de son clan d'âge, tient certainement une place importante. Excellence, Monsieur le ministre. Honorable Monsieur le sous-préfet, autorité traditionnelle, tout le staff de la LUCAM ici massé et qui a soutenu sous ce deuil depuis le départ du corps de notre ami de la France ici. Ils sont présents tous les jours à Douala et ici au village. Tous nos frères, sœurs et la famille de Sa Majesté forme un cri ici massé. C'est très difficile pour moi de prendre la parole et je suis vraiment indigne. Je ne suis pas digne de parler. Merci vraiment d'être là. Merci sincèrement. Avant de poursuivre, je veux renforcer le merci que tous nos frères ont décerné. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, Ses Majestés, bonjour à tous. Papa. Vous allez m'excuser. Je vais faire ce discours. Mon dernier discours à mon père avant qu'on le mette en terre. J'ai toujours voulu être plus fort que toi. Mais je ne sais pas si un jour je serai la moitié de l'homme que tu as été. Tu es quelqu'un incroyable. Dès comme toi, on n'en fait plus. Je pense qu'on a cassé le moule. Tu nous as aimés. Et quand je dis nous, je parle de toute ta famille, toute la grande famille. Tu aimais toute ta famille. J'aimerais avoir une pensée pour Papa Romain. Papa Sopkamga, pour Onjike, pour Maman Claire. Un jour, quand j'étais à EDEA, je rangeais les affaires de papa et j'ai supprimé une lettre qu'il avait envoyée à son grand frère, Sopkamga, où il se plaignait de Papa Romain. Et c'est là que j'ai compris, à travers cette lettre, tout l'amour qu'il y avait entre vous. C'était quelqu'un qui se souciait de vous. Papa Sop. Tu n'as pas seulement perdu ton petit frère, tu as perdu ton fils. Et ça, je le sais. Somme avec toi, papa, somme avec toi. Papa Romain, à chaque fois que papa était devant, tu n'étais pas loin. À chaque fois, tu n'as pas perdu seulement ton frère, tu as perdu ton ami.
Papa Bernard. Un jour, papa, il a pris Heidi et Gloria pour les faire voir tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez bâti. Et à chaque fois qu'il dit à Gloria, nous on est ici, il se tourne vers Heidi, il dit, papa est là. Et à la fin, il se tourne vers les deux. Et il leur dit, vous voyez, on n'était pas des fainéants. On a fait notre part. Maman. Tu t'es battu comme une diable. Tu as fait tout ce que tu as pu. On a fait tout ce qu'on a pu. Il a vu, maman, il a vu chacun d'entre nous. Il a vu l'amour. Quand je m'apprêtais pour aller à l'hôpital à Chambéry et que je traversais toutes les autres chambres, les patients étaient seuls. Papa a fait trois mois à l'hôpital. Son grand frère, avec maman Matou, n'a pas pu venir. Est venu quasiment systématiquement lui rendre visite. Toute la famille, je dis bien toute la famille, s'est déplacée des États-Unis, d'Allemagne, de Belgique, de France, partout. Quand quelqu'un a appris que papa avait un problème, tout le monde s'est mobilisé. Et ceux qui ne pouvaient pas être présents l'appelaient jour et nuit. Je veux j'ai une pensée particulière pour Tenny Boutrel, qui a suivi de près la maladie de papa. Ce qui me réchauffe le cœur aujourd'hui, c'est que papa part en sachant qu'il a été aimé. Ma relation avec lui était assez particulière parce que dans la fratrie, on me traite de fils à papa, fils à maman. Selon mes frères, je suis l'enfant préféré de ma mère. Mais une fois que j'ai constitué ma propre famille, avec Linda qui est devenue sa fille, pas sa belle-fille, sa fille, et que j'ai commencé à avoir mes propres enfants, mes deux filles, Emilia et Gigi, j'ai compris à quel point le rôle de père est un rôle ingrat. J'ai mieux apprécié tous les efforts de papa. Et quand je parlais avec lui, au début, je lui en voulais, mais gentiment, en lui disant que tu m'avais pas dit que je n'allais plus dormir. La nuit, je ne dors plus. Je me tourne vers ma femme, elle ronfle. J'ai compris la hauteur des problèmes qu'il a eu à gérer, tant moi-même j'ai eu à former ma propre famille. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne sais pas si un jour je serai la moitié de l'homme que tu as été. Papa, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu m'as toujours dit que si tu faisais le 1/10 de ce que ton père a fait, tu serais un homme heureux. Je me tiens devant toi aujourd'hui pour te dire que tu as fait bien plus. Tu as fait bien plus. Merci pour tout, papa. Te dire au revoir est extrêmement difficile. Mais nous allons prendre le relais et continuer la suite. Je vous remercie. Docteur ingénieur Mike Nguena. S'il vous plaît, si les prochains intervenants pouvaient être le plus précis possible.
C'est une prière. Bien sûr. Excellence, Ses Majestés, délégation à l'UQAM, chers invités, merci d'être venus pour rendre hommage à mon papa. Je vais commencer peut-être en me présentant. Bon, je suis le troisième fils et on connaît l'aîné parce que c'est l'aîné. On connaît mon frère Joël parce que c'est le miroir, le reflet de mon papa. On dit que c'est le sosie. Mais on oublie souvent qu'il y a quelqu'un d'autre et il y a moi, effectivement. Troisième position, bon. On ne choisit pas, mais on est comme on est. Et c'est une chance aussi parce que c'était également la place de mon papa dans sa fratrie. Alors si les autres peuvent oublier mon existence, mon père, lui, ne l'a jamais fait. Je crois qu'il avait des projets pour moi, on peut dire ça comme ça. Il était très exigeant et savait être dur avec les mots. Si je rentrais de l'école comme ça et que je disais « Papa, j'ai eu 18 », la première chose qu'il me demandait, c'est « Le premier est combien ?» Si ce n'était pas moi, il me demandait « Pourquoi ?» Et si jamais j'étais premier, il me demandait « Pourquoi tu n'as pas eu 20 ?» Quand j'ai enfin eu mon diplôme d'ingénieur et je croyais l'avoir satisfait, il m'a dit « Bon, tu vas faire quelle thèse de doctorat ?» Je lui ai dit, mais papa, le doctorat, c'est démodé. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, c'est plus la peine. Et il m'a dit, mais toi, tu es têtu. Je t'ai dit de faire le latin, tu as fui. Et maintenant, le doctorat, tu fuis encore. Quand j'ai commencé à travailler, il m'a demandé, et les enfants maintenant? Donc, avec papa, c'était toujours une succession de demandes, de dire, où est-ce qu'on va ensuite? Et ensuite, pendant un moment, j'ai cru que c'était parce qu'il voulait que je lui ressemble. Il voulait que je sois comme lui. Mais j'ai très vite compris ces derniers temps que il voulait qu'on le dépasse. Il voulait qu'on soit meilleur. Il disait toujours, les enfants doivent dépasser leurs parents. Et il voulait que de la barre de fer qu'il était, parce que c'était son surnom, jaillisse un diamant. La réalité, c'est que je ne serai jamais, comme mon frère l'a dit, et je partage son avis, la moitié de l'homme illustre qu'il était. Mais dans le fond, c'est pas vraiment grave, parce qu'avec tous les préceptes et toutes les valeurs qu'il m'a transmis, je sais que je serai le vendre fier et de là où il pourra en attester. Il disait souvent, béni soit ce qui rend dur. Je ne vends pas le pays où coule le beurre et le miel. Donc papa prenait le dépassement de soi. Je vais maintenant m'adresser de façon un peu plus personnelle à lui. Papa, je tenais ta main quand on était à l'hôpital et quand tes battements de cœur ont ralenti, quand tu as lâché ton dernier souffle. Mais il y avait une atmosphère bizarre, c'est-à-dire que je ne me suis pas dit que ça revêtait un caractère définitif. Je me suis dit, il est toujours là. C'est quelque chose d'étrange. Même quand on m'a confirmé que tu n'avais plus de pouls, je me suis dit, il est toujours là. Je pense que papa n'est pas parti. Je pense que papa est toujours là. Et je pense que dans ma vie, tant que je continuerai de l'aimer et respecter ses préceptes, il sera quelque part à mes côtés. Tant que je l'aimerai, tant que des gens sur cette terre l'aimeront, il sera à nos côtés. Alors papa, sache que si dans ce monde des milliers de gens t'aiment, comme je peux le voir aujourd'hui, sache que je suis l'un d'eux. S'il n'existe qu'une seule personne en ce monde qui t'aime, sache qu'il s'agit de moi. Et si sur cette terre, plus personne ne t'aime, eh bien, c'est que je serai monté aux cieux et que je t'aurai rejoint. Papa, je t'aime par-delà la vie et la mort et à jamais. Merci beaucoup, papa. La fille du défunt.
Bonjour à tous. Merci d'être venu aux obsèques de mon père Guéna Fubé Emi. Papa, nous sommes tous au village. Et encore une fois, tu fais honneur à cette qualité qui te caractérise si bien. Rassembler et unir tout le monde. Je me tiens sur cette terre qui nous a bénis de par ta naissance et qui maintenant souhaite récupérer son bout. Jalouse peut-être, elle veut reprendre son précieux trésor et on ne peut rien contre sa volonté. C'est difficile. J'aurais voulu t'avoir auprès de moi un peu plus longtemps. Mais je suis reconnaissante. Reconnaissante d'être ta fille, d'avoir bénéficié de ton amour inconditionnel et de tes valeurs. Et même si tu fus relativement court, le temps passé à tes côtés était d'une telle qualité que pour rien au monde je ne changerais cela. Aujourd'hui, nous allons te dire un dernier au revoir. Nous allons honorer ta dernière volonté d'être enterrée auprès de ta mère Odukem Régime, dont je porte le nom. Nous sommes tous là, enfin, ce 9 septembre 2023. Tu sais, une des choses qui m'a beaucoup marqué, et même aujourd'hui encore, est le fait que tu ne souhaitais pas qu'on voyage tous dans le même avion. Tu remarqueras qu'on continue d'appliquer tes choix même si tu n'es plus là. Tu étais tellement prévoyant et tu anticipais toujours le pire des cas. Ce n'est pas du pessimisme, tu étais pragmatique. Tout peut arriver et tu ne voulais pas prendre le risque de perdre toute la famille en une fois. Je vais aussi essayer de ne pas conduire la nuit en rentrant de Saint-Étienne, là où je travaille. Je sais combien ta tension se déséquilibrait chaque fois que je prenais la route dans ces conditions. Tu étais toujours à la limite de nous faire un AVC. Tu t'inquiétais toujours pour les tiens, maladroitement, par message. Tu écrivais « Merci, envoyez un message quand vous arrivez ». Ça peut sembler futile aux yeux des autres, mais cette attention va sincèrement me manquer. Qui va maintenant s'occuper de la toute première voiture que tu m'as aidé à acheter? Tu es finalement parti sans m'avoir appris à changer les roues, comment est-ce que je vais faire en cas de crevaison? Tu ne seras pas là à ma thèse et tu ne m'accompagneras pas à l'hôtel le jour de mon mariage. Tu ne verras pas non plus tes petits-enfants, qui auraient été probablement aussi impulsifs et têtus que leur mère, mais cependant déterminés et rigoureux comme leur grand-père. J'espère aussi que l'un d'eux aura tes magnifiques yeux clairs et expressifs que j'aimais tant. Vraiment, ce qui me fait mal, c'est de ne plus pouvoir te voir à l'avenir. Mais tu continueras de vivre à travers moi parce que ton sang coule dans mes artères et mes veines. Et puis, voyons aussi le bon côté des choses. Tu n'auras plus à supporter les incessantes disputes entre Mike et moi. On se calme, que tu nous disais. Tu n'auras pas non plus à essayer de gérer l'impulsivité de Joël, ni à gérer les quelques petits cris de colère de Teddy. Et Gloria, il n'y a rien à dire. On sait tout que c'était ton petit mort. Je te mentirai aujourd'hui si je te dis que tout va bien. Non. Je peux sourire, je peux rire aux éclats par moments, mais au fond de moi, mon cœur est meurtri et tu me manques énormément. J'aimerais tellement te revoir et te serrer dans mes bras une dernière fois. J'ai versé des milliers et des milliers de larmes ces derniers mois, mais tu sais, c'est pour toi et à cause de toi que je me tiens là, forte. Je refuse de toucher le fond parce que ce n'est pas ce que tu aurais voulu. Papa, vous avez toujours dit que si la tenait 70 ans, il faudrait qu'on fasse la fête. Certes, il ne les a pas atteints, mais je sais qu'il a vécu des moments incroyables. Vous devez savoir qu'il était heureux, malgré tout, dans la maladie. Tant de monde sont passés le voir à l'hôpital ces derniers mois, et je vous remercie de l'avoir assisté, que ce soit physiquement ou moralement. Parce qu'il est parti sereinement, le sourire aux lèvres, parce qu'il se savait aimé. Il est surtout parti après avoir vu son homonyme Imani et Mia pour la première et dernière fois. J'aimerais qu'on puisse un jour, chacun à notre rythme, ne plus pleurer parce qu'il n'est plus là, mais sourire en pensant au bon moment que nous avons passé avec lui. Parce que c'était un homme qui a toujours été jovial et battant, même dans les moments les plus difficiles. Là où tu es, papa, j'espère que tu te sens bien. J'espère que tu continueras de veiller sur nous et d'être fier. Bon repos éternel, papa. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, docteur. On va appeler rapidement Mireille, madame Vouffaut, pour un témoignage au nom des patients. Monsieur Tchakwe, DG d'Alucam, de se mettre prêt pour leur témoignage. Merci, docteur Alucam. Bonsoir, mes parents, aux amis et à tout le monde.
J'ai pris du temps pour faire ce témoignage. Longue histoire qui devient courte. Une étoile filante qui disparaît aussitôt. Un humble, humble, rigoureux, tes qualités sont nombreuses. Par amour pour ta maman, après avoir fini tes études, tu retournes au pays car tu avais le sourcil pour venir en aide dans ta famille. En tant que ta première fille, tu m'as tout donné. Tout que tu pouvais faire, tu pouvais offrir à un enfant qu'il réussisse. Si tu pouvais casser ma tête pour mettre l'école des Blancs, tu l'aurais fait. Mais hélas, mon destin était ailleurs. Ton soutien envers moi était inconditionnel. Nous avions par moments eu des prises de bec qui étaient normales entre père et fille. Jamais tu n'as cessé d'être là pour nous. Tu m'as accompagné à toutes les étapes de ma vie. Après mes 50 ans, papa, tu me donnas le nom de mes enfants et j'en étais honorée. Sans savoir la gravité de ta maladie, je t'avais invité à la graduation de tes petits-enfants et tu me répondis, j'y serai en esprit avec vous. Malheureusement, ton état de santé ne s'était pas amélioré. J'avais programmé venir être à tes côtés, à tes chevet en ce moment, en ce même mois de septembre. Hélas, septembre était trop tard. Dieu en a décidé ainsi. Merci pour tout. Va et repose en paix, papa. Que la terre de nos ancêtres te soit légère. Merci beaucoup. Temps de la délégation d'Alucam. Excellences, Monsieur le Ministre, Vos Majestés, les chefs supérieurs présents, toutes les autorités administratives, traditionnelles et religieuses, en vos rangs et grades respectifs, population de Bafou, élite, mesdames, messieurs, chers invités à cette célébration de vie, par ma voix, la société Alucam vous salue. Notre entreprise, fidèle à ses principes, à savoir accompagner chaque retraité à sa dernière demeure, s'est rendue ici dans la tristesse, la désolation, la douleur et le chagrin, pour dire ses sincères condoléances associées à celles de l'ensemble de son personnel, à la famille de l'illustre disparu, Émile Brunet. Nous savons déjà qu'il est docteur ingénieur en mécanique, mais sa thèse de doctorat portait justement sur le blindage de l'aluminium. Lorsqu'il est repéré par le groupe Péchiné, il voulait s'engager comme professeur de mathématiques et de physique à Nantes. Mais comme nous le savons déjà, il est recruté en 1985 à Alucam et il commence sa carrière en 1993 comme chef de service production. Déjà en 1985, il occupait les fonctions d'ingénieur de production. En 1993, donc, il passe chef de service de production. En 2002, il est muté en France dans une usine sœur du groupe Péchiné, encore appelée Saint-Jean-de-Maurienne. Là, il est comme expatrié et il dirige le service fonderie. Il refait ses valises pour le Cameroun en 2005, où il va diriger le département amélioration continue jusqu'en 2007. De 2007 à sa retraite normale en 2017, il est alors directeur sous-catral au sein du groupe Alucam, aujourd'hui fusionné. Avec toi, Père Emile, c'est donc 32 ans de bons et loyaux services rendus.
plusieurs étapes bravées, beaucoup de défis relevés, parmi lesquels tout le monde se souviendra de la fameuse ligne de la cage que tu as réussi à mettre en place avant ta retraite. Car visionnaire, tu étais aussi. Cette ligne nous a permis. Dans cette douleur que nous partageons, vous comprendrez sûrement ma difficulté de parler de mon ami, collègue et frère Émile Guéna au passé simple. C'est vrai que Émile, tel que je l'ai connu, était un homme très simple. La veuve, l'épouse de M. Guéna, Émile. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour avoir trouvé un moment pour venir nous accompagner, pour venir nous aider à accompagner Émile à sa dernière demeure. Je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez déjà entendu ici, parce que, en fait, c'est la vérité. Émile était un grand homme. Il était un homme humble. Son amour pour l'humain était démesuré. Alors, vous avez entendu les enfants, et il était le papa de tous les enfants. Alors, ils ont vraiment halluciné à l'hôpital de Chambéry. J'ai entendu un jour deux infirmières dire, mais il a combien d'enfants ce monsieur? Parce que tous les enfants qui arrivaient là-bas disaient, papa, papa, papa. Et on disait, personne ne disait tonton ou quoi, parce qu'il était vraiment le papa de tout le monde. Et comme Guéna l'a dit tout à l'heure, il n'a jamais dormi seul. Il était entouré. Et ça aussi, ça les a marqués, parce qu'il lui disait toujours, vous avez une chic famille, monsieur. Vous êtes très bien entouré. Et ses collègues ont aussi dit qu'il était très rigoureux sur le plan professionnel. Et ça, c'est vrai. Je me rappelle toujours quand je venais de me marier. Il se levait la nuit pour aller résoudre les problèmes à l'usine. Il travaillait les dimanches et jours fériés. Et pendant plusieurs années, il n'a jamais pris de vacances. Alors, je me rappelle toujours d'un monsieur qui appelait Monsieur Ndongo Lazare, un père à son âme. Donc quand le téléphone sonnait la nuit, 3h, 4h du matin, il disait, « Bonjour madame, c'est Lazare, est-ce que le chef est là ?» Je disais, « Mince, encore ce quatrain. » Et après, quand le téléphone sonnait, je dis, « Mais non, pas Lazare !» Mais c'était toujours Lazare. Et il se levait, il y allait, sans problème. Et vous avez aussi appris, on a dit qu'il était très intelligent. Et parfois, quand il me taquinait, quand je le contredisais, il me dit, mais tu ne me contredis pas, tu as fait une série médiocrement mathématique. Et maintenant, après ce que tous les autres vous ont dit, je voudrais vous parler du mari qu'il était. Parce que ça, c'est mon chapitre. Émile est un mari vraiment formidable. Et je dis formidable pour moi, parce que je pense qu'il était fidèle. C'est vraiment pas une critique, hein. Franchement. Vous êtes tous formidables, mais chacun à sa façon. Alors, je vais juste vous dire pourquoi je pense qu'il était fidèle. Quand on l'a affecté à Saint-Jean-de-Maurienne, après, il a été réaffecté au Cameroun. Et on a pris la décision que je devais rester en France avec les enfants qui avaient quelques soucis de santé. Et une fois, j'arrive à Edea pendant les vacances. Et il y avait un groupe de paysagistes qui travaillaient dehors. Et l'un d'eux dit à l'homme qui venait d'arriver que Ticha, le directeur Guéna, c'est un sacré bonhomme. Il a attrapé une petite, elle est chez lui. Et Gilbert lui dit, s'il y a une dame là à l'intérieur, ça doit être Madame Guéna. Il lui dit, mais non, je te dis que c'est une yuriette. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, je sors pour vider la poubelle. Et
Et lui, il se rapproche, il me dit, oh la mère, tu es arrivée. Et il dit, je vous ai dit non. Et le monsieur me dit, nice, je n'aurais pas imaginé que c'était Madame Guéna. Donc, je pense que ça pourrait être le cas. Et une fois, parce que j'avais le code de son téléphone, j'ai oublié un numéro de téléphone dans son téléphone. Il m'a donné son téléphone et pendant que je cherchais le numéro, il y a eu un message de Mylène. Et je lui dis, tu viens de recevoir un message de Mylène. Il dit, tu peux le lire. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Alors, je lis le message. Alors, dans le message, Mylène lui demandait pourquoi il n'a pas rappelé et tout. Et je lui dis, de quoi il s'agit? Il m'explique que c'est une jeune fille qui est au lycée, qui lui envoie souvent des messages. Et je dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Il dit, mais je lui ai dit que c'est flatteur, mais que je n'étais pas intéressée. Et moi, je demande, mais tu dis toujours non comme ça? Il me dit, oui. Je dis, pourquoi? Il me dit, mais parce que toutes ces femmes-là, elles ne valent pas ma femme. Et je dis, là, je disais, ah! La 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 la! Sa femme, c'est moi! Donc, vraiment, je peux lui tirer le chapeau pour ça parce que je lui disais souvent pour le taquiner aussi que pour un Guéna, tu es un mari normal. Pour un mari, tu es un mari normal, mais pour un Guéna, tu es un ange. Donc, c'est quelqu'un qui m'a toujours respecté. On est mariés sous le régime polygamique. Et comme j'ai dit, avant il est rentré en France, je suis restée avec les enfants. Il avait de bonnes raisons de prendre une autre femme, même d'autres femmes, sans me demander mon avis. Mais il a préféré m'attendre. Il m'a attendue. Et quand il prend sa retraite en 2017, j'ai dit chic. Je vais redevenir enfin une femme mariée, dans le vrai sens du terme. Et du coup, on avait commencé à organiser notre petite vie, aller rendre visite aux enfants et tout. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça a été très intense. Émile est tombé malade le 6 mai. Le 6 mai, il a fait un passage en réanimation. Après, il est resté tout le reste de temps dans les services. Alors, il avait fait un choc septique. Et il est sorti de réanimation. Son état s'améliorait vraiment. Et à la fin, il a réchauffé une autre infection. Cette fois, on n'a pas eu la chance de la première fois. Mon chéri. Nous avons passé 34 années ensemble. Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Au début, moi venant d'une famille monogamique et toi d'une famille polygamique, ça a été un peu le choc des cultures. Mais on a rapidement su trouver notre équilibre et évoluer ensemble pendant ces 34 années. Comme je l'ai dit tantôt, tu m'as attendu pendant tout ce temps. Et j'espère que tu m'attendras là-haut. Va et repose en paix. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Merci. Courage et son dévouement à son mari. Cette phase de témoignage. Invités qui sont venus, c'est mon frère, une amie fidèle. J'ai le problème de vision, c'est une maladie, comme tu crois, personne peut être malade. Je veux vous saluer la bienvenue à tous ceux qui sont venus. En français, non, et je vais laisser la parole à un autre gars qui va passer un mot en français à tous les états qui sont ici. Je dis merci. Donc, merci infiniment, monsieur M. Momo, monsieur le sous-préfet et sa suite. Merci à Fort, le père. Merci à Fort, le père. Merci à Fort, le père. Merci. Merci à tous les gens qui sont venus nous assister à ce sec. J'ai pris dans Dieu
et me pardonner pour toutes ces séries de mots dans ma constitution qui sont chaque jour. Et que Dieu demande à Dieu de me pardonner pour tous ces mots en série. Et que tous mes frères qui sont en vie, commençant par ma malade, je demande des guérisons, que Dieu, tout le monde demande des guérisons pour tous nos malades de ma famille. Et je te mon retour. Tous ceux qui ont perdu vos temps pour finir de ce là, nous remercions infiniment. Je laisse la parole. Bonsoir à toute l'assistance. J'interviens ici en ma qualité de responsable de la restauration du deuil de mon défunt frère. Comme vous le voyez, mon frère a travaillé longtemps et il a occupé de très sérieux postes. Ce qui fait que tout le monde qui est ici aura à manger et s'assoira. Parce que nous avons prévu beaucoup de buffets. Je vais ici citer le nombre de sites. Il y a pour les autorités administratives.
Thank you.
Oh, man, I'm
quoi? Romela, professeur Vendant. Romela, sauve vous si là. Romela, Justement, Nishinga Ambo, Alanzemo, pour Ponkanga Yiminshinga. Azingding, me prenez y fougo pas moïla. Heureusement que moi, ma gueule, dans une ningame. A coup, chute, t'inga jume, ou chute, n'inga jume zi. Une chute, vieux molle, n'y a pas de vieux andou, n'y a pas de vieux minzu, à traiter vieux minzu, pour apprendre leur carte dans sa forcing à le gongo. Moi, c'est un modèle. On regrette qu'il soit parti d'une bibliothèque qui brûle parce qu'il avait un coefficient intellectuel très élevé. Il était un modèle de vertu morale. Et nous regrettons son départ. Il a laissé les enfants, une femme. Nous remercions Dieu Tout-Puissant de lui avoir donné ses trésors avant de partir. Nous prions Dieu qu'il l'accompagne et l'accueille dans son royaume. Et il a laissé des enfants. Et il a laissé un successeur que nous avons. Bon, et quel est le conseil donc pour donner au successeur pour cette nouvelle tâche qu'on vient de lui donner? Conseil à donner au successeur pour la nouvelle tâche, d'imiter son père, d'un exemple, un modèle, encadrer bien la famille dans la sérénité. Et Dieu, ils seront richement bénis. Nous veillons sur eux. Nous engageons. Je m'engage à veiller particulièrement sur eux, avec les bonnes relations que j'ai eues avec mon ami. Moi, c'est Arnaud. Merci. Je pense que lorsqu'on l'a perdu, c'était très très difficile. Mais la première chose qui nous a animés, c'est la volonté de lui rendre hommage. Je crois qu'à l'issue de cette période, on peut voir que ça a été le cas. Et tous ceux qui sont présents autour de nous sont contents, malgré la perte de papa, qu'on ait pu faire en sorte de lui rendre hommage. Et on a une bonne nouvelle aussi également aujourd'hui, puisque mon frère, Joël Liena, est le nouveau papa Émile. Donc on a perdu un papa Émile, mais on en a gagné un. Autrement dit, ce week-end, on peut la dire que c'est très bien déroulé. Je l'ai déjà dit dans le discours, je trouve qu'ils ont une ressemblance forte. Ce sont les mêmes personnages en thème physique. Maintenant, ils ont aussi les mêmes excès de colère, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'emporter facilement. Et ce que je conseillerais à mon nouveau papa, c'est d'avoir un peu de tempérance, de savoir analyser la situation et de la gérer. Mais l'avantage que n'avait pas forcément mon nouveau papa, c'est qu'on sera là pour l'épauler tout au long de sa vie. Je vous remercie, bonne suite, beaucoup de courage. Je suis un peu plus jeune.
en Japon. Nous sommes dans un chou, un ami à famille, hein, t'es à quoi que le continent. Moi, c'est Rémi. Merci. Je tiens à remercier tous ceux qui ont assisté de pour de l'autre, tous ceux qui nous ont assisté, que ce soit pas les uns qui ont pensé. Merci énormément, c'est senti ce pays et accompagné durant toute cette durée. Je vous remercie énormément. Bon, actuellement, vous avez pris une nouvelle tâche. Une nouvelle tâche qui consiste à représenter Papa Émile. Comment comptez la gérer, vous? Exactement comme il l'a fait. Exactement comme il l'a fait. Ce sera une continuité. Faire tout avec du cœur et essayer d'être le plus sage possible. Okay. Je vous remercie. Beaucoup de courage. Merci. Okay.